Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de comment je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec Facebook. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la première, je vous invite à aller la regarder. Normalement, dans le coin en haut à droite, vous avez la recommandation de la vidéo. Donc, pour vous expliquer tout simplement ce que j'ai fait dans la première vidéo, c'est j'avais rejoint des groupes Facebook sur ma thématique. Donc, moi, je cherchais à vendre un produit qui apprenait à gagner de l'argent sur Internet. Donc, j'avais rejoint pas mal de groupes sur pas mal de groupes sur la thématique de l'argent sur Internet. Vous pouvez les voir, ça c'est tous les groupes que j'ai rejoints. Et ensuite, j'avais été faire des posts dans ces groupes pour promouvoir le produit que je souhaitais vendre en affiliation. Voilà, ça c'était la première méthode, résumée brièvement. Maintenant, là, je vais vous présenter la deuxième méthode, mais que vous pouvez. Moi, je vous conseille de faire les deux pour gagner de l'argent avec Facebook. Donc là, moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour récolter des leads. Alors des leads, c'est quoi? C'est des adresses email que je vais récolter contre, par exemple, un cadeau gratuit. Donc après, une fois que j'aurai ces emails, moi je pourrais tout simplement les contacter par email pour faire la promotion de produits que je vends en affiliation en leur envoyant des emails. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, ça va être le but de cette vidéo. Je vais vous montrer comment je fais. Et puis voilà, on va y aller sans plus attendre. Alors tout simplement, on se retrouve sur un des groupes Facebook, sur ma thématique. Donc c'est encore sur gagner de l'argent sur Internet, parce que moi je vends que des produits dans cette thématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans membres. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter pas mal de membres qui ont des choses en commun avec moi. C'est-à-dire, soit je vais avoir pas mal d'amis en commun avec eux, soit je vais avoir des centres d'intérêt en commun. Donc voilà, je sais que c'est des gens qui sont intéressés pour gagner de l'argent, c'est des gens avec qui j'ai des points communs. Donc je vais ajouter le maximum de personnes en amis. Donc bien sûr, ce que je vous recommande, c'est de ne pas en ajouter. Pareil, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est de ne pas ajouter 500 personnes d'un coup. Sinon quoi? Sinon Facebook va vous bloquer. Je vous recommande d'en ajouter à peu près une quinzaine par jour. Vous ajoutez une quinzaine de ces membres par jour. Comme ça, une fois que vous avez ajouté ces membres, la technique, ça va être de publier sur votre mur Facebook personnel. Donc là, je ne vais pas aller dessus parce que c'est mon mur perso à moi. En gros, vous allez sur votre mur Facebook personnel et comme sur les groupes Facebook, vous allez aller publier votre post. Donc par exemple, si je veux vendre des livres gratuits, admettons que ça, ce soit mon. Enfin, des livres gratuits qui vont me permettre de récolter des emails. Admettons que ça, ce soit mon mur Facebook. Bah, je vais aller mettre un post. Voilà. Donne 3 livres sur le business, voilà, donne 3 livres sur le business en ligne gratuitement. Tapez info, voilà. Bah, en réalité, faites comme je vous ai dit, une phrase déjà un peu mieux, parce que ça, clairement, ça va pas donner très envie. Vous pouvez mettre, voilà, je vous offre 3 e-books qui vont vous aider à démarrer votre business en ligne. Ces e-books sont sur le thème de gagner de l'argent. Vous voyez, vous pouvez faire une belle description. Pour les personnes intéressées, tapez info. Faites un truc comme ça, mettez-le sur votre mur. Et voilà, donc, pour résumer pour l'instant, les techniques que je vous ai données, donc c'est de rejoindre plusieurs groupes Facebook sur votre thématique. Donc moi, c'est l'argent en ligne. Donc j'ai rejoint des groupes Facebook sur le thème de gagner de l'argent. Vous postez dans ces groupes Facebook. La deuxième méthode, c'est d'aller ajouter ces personnes en amis, ces personnes qui sont dans le groupe, qui sont membres de ce groupe, et de faire les publics que vous faites dans ces groupes, de le reposter également sur votre mur. Parce que je vous rappelle que sur Facebook, vous pouvez avoir 5000 amis. Donc ça fait qu'à chaque fois que vous avez publié, vous allez toucher 5000 personnes. Donc voilà, c'est pas mal quoi. Enfin, potentiellement, peut-être que d'autres personnes ne vont pas s'attarder sur votre publication quoi, mais potentiellement vous touchez 5000 personnes. Donc c'est assez énorme. Moi, ce que je vous recommande ensuite avec ces personnes, c'est tout simplement les gens qui vont réagir à vos publications, vous les gardez en ami, parce que c'est des gens, on va dire, qui sont intéressés par ce que vous faites et tout. Donc clairement, c'est les gens que vous recherchez à avoir dans vos amis. Et ceux qui n'interagissent pas avec vos publications, qui, voilà, ceux que vous avez en ami, mais entre guillemets, qui ne vous servent à rien dans vos amis, vous les enlevez et vous les remplacez par d'autres personnes. Parce que la limite de Facebook, c'est 5000 amis. Une fois les 5000 amis arrivés, voilà, vous n'allez pas refaire 50 comptes différents. Donc voilà, je vous conseille de garder dans vos amis que les gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc voilà, faites du tri régulièrement, c'est important. Alors, écoutez, je vais vous présenter une petite méthode bonus que moi j'utilise. Je vais vous la présenter très très brièvement parce que de base, ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais c'est encore une méthode pour gagner de l'argent avec Facebook. Tout simplement, une fois que vous avez ces gens en amis, on est d'accord, admettons que, je ne sais pas, vous avez ajouté 1500 personnes en amis. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer votre propre groupe Facebook. Ça, vous voyez, c'est le mien. Ça, c'est mon groupe Facebook à moi. J'ai quasiment 10 000 membres.
Vous créez votre propre groupe Facebook. Comment vous allez faire pour attirer des gens dedans? Et bah, tout simplement, vous invitez tous vos amis à rejoindre ce groupe. Donc, admettons, sur les 1500, il y en a peut-être que 200, 300 qui vont accepter. Ça vous fait 200, 300 personnes dans votre groupe Facebook. Et bah, tout simplement, votre groupe va se référencer dans Facebook petit à petit. Et vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont rejoindre votre groupe tous les jours. Moi, par exemple, je sais qu'en ce moment, je tourne à 200, voire 300 personnes par jour qui rejoignent mon groupe. Donc là, je sais que dans quelques heures, je vais passer les 10 000. Ce soir, je serai peut-être à 10 200 membres, par exemple. Donc, comment je vais faire pour monétiser ce groupe? Bah, tout simplement, comme avec les autres groupes Facebook, je vais venir publier mes offres. Sauf que l'avantage d'avoir votre propre groupe Facebook, c'est que vous pouvez mettre vos publications en avant. Parce que, par exemple, dans les groupes Facebook, à force, vos publications sont envoyées dans la masse. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre vos publications en annonce. Donc, vos publications vont apparaître tout au-dessus. C'est-à-dire que dès qu'une personne va venir sur votre groupe, elle va voir votre publication. Donc, vous voyez, moi, comme je vous ai dit, je fais la recommandation de 3 e-books gratuits pour récolter des adresses e-mail pour ensuite vendre des produits par derrière. Donc, vous voyez, je fais ça, hop. Et je l'ai mis il y a 15 heures et je suis déjà à 141 de portée. Donc, surtout qu'il y a 15 heures, là, il est 10 heures du matin, c'était la nuit. Donc ça veut dire que rien que, on va dire ce matin, on va dire, je pense que j'ai vu, je suis déjà à 141 personnes touchées. Et là, je sais qu'avec le temps, par exemple ce soir, je vais avoir au moins touché 500, 600 personnes. Et plus les jours vont passer, plus je vais toucher de personnes. Et ça me fait récolter des leads en automatique. Donc des personnes voient mes liens d'affiliation, des personnes cliquent dessus, et des personnes s'inscrivent en automatique sur mes liens. Aussi, la deuxième technique que vous pouvez faire avec votre propre groupe Facebook, c'est dans le à propos. Soit vous mettez une description, vous ne mettez pas de lien d'affiliation. Vous pouvez mettre ce groupe est destiné à l'entraide pour gagner de l'argent en ligne. Ou alors, tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets un lien d'affiliation. Pourquoi? Parce que pareil, dès que les gens vont venir dans un groupe Facebook, il y a toujours le à propos qui est affiché. Donc, ça fait encore des gens qui vont voir votre lien d'affiliation en automatique. Bah, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être une troisième vidéo sur la série si je trouve encore une autre méthode pour monétiser Facebook. Mais je pense vous avoir donné toutes les clés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne parce que je ferai pas mal d'autres vidéos dans ce thème. Par exemple, j'essaierai de monétiser mon Instagram, mon Pinterest. Voilà. Bah écoutez, bah à bientôt sur mes prochaines vidéos. Et voilà. Salut tout le monde!